Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène traiter les maladies avec le pulvérisateur. Alors c'est parti pour une demi-journée de pulvérisation, on démarre le tracteur, on allume la console. Je vous rappelle que c'est pour traiter les maladies fongiques, le fongicide. Donc le tracteur ici au remplissage de produits, on actionne les vannes. Ça c'est le produit que j'ai mis, c'est de Shiroki. Ensuite, on surveille le remplissage en eau claire du pulvérisateur. Le tracteur entraîne ici au centre par une prise de force le pulvé. On contrôle à l'intérieur que la cuve se remplit bien. Donc ici, les compteurs d'eau. Donc là, je mets plus de 2000 litres dans le pulvé. On prend la route, on allume le gyrophare. Et c'est parti. Donc c'est un vieux CAS 956, le tracteur. Et ça, c'est le pilote avec son casque pour le bruit, anti-bruit. On ressemble à rien, mais c'est pratique. Arrivé au champ, on actionne les quatre roues motrices. On enclenche la prise de force. Et c'est parti pour le dépliage. Je vous ai accéléré la procédure. Car c'est assez long, ça prend 2-3 minutes. Donc c'est l'action de plusieurs petits boutons. L'ouverture de rampe. Et c'est parti. Ensuite, je programme ma tâche dans la console. Donc chaque champ et chaque intervention, je crée une tâche. Je nomme l'intervention, le produit que je mets, le lieu. Et voici une vue depuis la cabine. De la pulvérisation. Donc c'est un pulvérisateur Vicon qui fait 28 mètres de large. Alors il a assez évolué, il a que 2-3 ans. Ça vaut à peu près 60 000 euros. Donc la position de la rampe est gérée par ultrason pour éviter qu'elle touche le sol. Une vue de la cabine encore, à l'avant du tracteur. Et on vérifie à l'arrière que ça pulvérise bien. Je voulais vous faire voir aussi l'action du train suiveur, de l'essieu suiveur. À l'avant, vous voyez le tracteur et hop, dès qu'il tourne, les roues arrière du pulvérisateur au centre se braquent pour suivre parfaitement le tracteur et éviter un maximum les tassements et les pertes de plantes. Voilà donc un petit tour de pulvérisateur. En ce moment, on fait pas mal de fongicides sur les colzas, les blés et les orges. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !